C'est quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe. Tout est avant. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Revenez donc. Vous savez quel est le problème de bord de ciel, bien, j'espère.
Hein? Oh. Voyage. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Vous pourriez me laisser un peu d'intimité, sortez d'ici. Vous n'avez rien à faire ici. Dernier avertissement, déguerpissez. Laissez-moi seul un moment. Oh. Vous devriez aller voir Aintash si la mine vous intéresse. Mais il n'y a pas grand-chose à en tirer ici. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de geste. La mine est fermée. Allez-vous-en. Les parjures ont attaqué il y a quelque temps. Comme le Jarl comptait ses hommes, les Sangs d'Argent ont généreusement proposé de nous envoyer faire le ménage. Tout ce que nous voulons, c'est que ce vieil autochtone nous remette ses terres pour payer nos services. Ensuite, nous partirons et tout le monde pourra reprendre le travail. Si vous faites ça, je m'assurerai que vous touchiez une part. Je ne suis pas originaire de ces contrées. Je suis un mercenaire. Voici mes hommes. Vous n'avez pas entendu parler de la famille Sangs d'Argent ? Il s'agit des personnes les plus influentes de la crevasse. Ils possèdent pratiquement la totalité de la ville de Markarth. Ce sont eux qui nous payent. Si vous voulez bien m'excuser,
ce ne sont... Je suis l'un des rares crevassés qui possède des terres. Inutile de vous dire qu'on... C'est du vol, voilà ce que c'est. Les sangs d'argent veulent me prendre mes terres par la force. Les parjures attaquent les mines et tout d'un coup, ces mercenaires sortent de nulle part pour aider. Tant que je n'aurai pas vendu, ils empêcheront tout le monde de travailler. À qui le dites-vous ? Volpertuis appartient à ma famille depuis plusieurs générations. C'est rare pour des gens de la crevasse qui ne sont pas des Nordiques. Remarquez, cette situation n'a rien d'idéal. Les Nordiques pensent que je travaille pour les parjures, lesquels sont convaincus que je travaille pour les Nordiques. Non, ces terres sont à moi. Vous ne croyez tout de même pas que je vais les laisser à ces brutes de sang d'argent ? D'accord. Bon, très bien. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. Il paraît que les mineurs sont parfois victimes de gaz toxiques concentrés dans des poches de roche. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de gestes brusques. La mine est fermée. Allez-vous-en. Je ne suis pas originaire de ces contrées. Je suis un mercenaire. Vous n'avez pas entendu parler de la famille? Ils possèdent pratiquement la totalité de la ville de Markarth. Ce sont eux qui nous payent. –
C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. La mine qui produit est fermée, et il n'y a pas de minerai dans l'autre. Les dieux m'ont maudit. Je n'ai rien à vous... Vous n'êtes pas d'ici, et je n'ai rien à vous dire. J'aide à superviser les mines. Je travaille à la mine, je chasse. Tout le reste ne regarde que moi. Je suis l'un des rares. Folpertuis appartient à ma famille. Remarquez, cette situation n'a rien d'idéal. Les Nordiques pensent que je travaille pour les Parjures, lesquels sont convaincus que je travaille pour les Nordiques.
que les divins soient avec vous. Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Passez devant.
Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Passez devant, je suis. Je vous attends ici. N'allez pas chercher les embrouilles en mon absence. Je suis prêt.
Attention! Rien au monde, je ne voudrais passer ma vie à travailler dans ces tunnels sans vide.
avoir entendu. Vous savez pas.
N'allez pas à Kolskegre. C'est dangereux là-bas. Gat et moi sommes les seuls survivants. Vous les avez repoussés ? Sans aide ? Merci. Nous allons nous remettre tout de suite au travail. Tenez, acceptez ceci. C'est le moins que je puisse faire. J'achète tout ce que vous trouverez. Oui. À la prochaine. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayèze. J'ai presque envie de... ...poindre à eux. Je vends de tout, si ça vaut le coup. Regardez donc. Très drôle. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas foule à Fort d'Hiver. Je vends tout ce que je peux. Je mets un prix à la moindre babiole. J'ai été brûlée plusieurs fois. J'ai conclu quelques marchés peu rentables, mais je m'en suis toujours sortie. J'y ai été contrainte. Je n'avais pas vraiment le choix. Ranmir et moi avons grandi ici, et il dépense quasiment tout ce que je gagne à la taverne. Sans argent pour déménager, je me suis mise au commerce. Oui, c'était de ma faute. J'aurais dû ignorer ces bobards et refuser l'offre. Je me retrouve maintenant avec cette camelote sur les bras. Il était question de cette griffe et du tertre d'Ingol. Il m'avait dit qu'elle vaudrait plus que son poids en or une fois au tertre. Ça parlait de la replacer dans la chambre d'Ingol, je ne sais plus. Mais où avais-je la tête ? Même s'il disait vrai, jamais je n'aurais mis les pieds dans un ancien tombeau rempli de Dieu sait quoi. Ce n'est plus mon affaire. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous l'envoie contre 50 pièces d'or.
Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Parfait, voilà pour vous. Si vous vous faites tuer pour cet objet, je n'y suis pour rien, c'est clair? Dites, s'il s'avère que cette babiole a un tant soit peu de valeur, vous me le direz, hein? Je veux être du bon côté. Je veux être du bon côté. Thank you.
Azura avait prédit votre venue. Ce n'est pas la curiosité, mais bien le destin qui vous amène ici. Azura m'a offert le don de voyance. J'ai eu une vision avant même le jour de votre naissance. Vous montiez les marches menant à cet hôtel. Entre tous, c'est sur vous que son choix s'est porté pour devenir son champion. C'est inattendu, j'en conviens, mais n'ayez crainte. Votre destin vous sera révélé comme elle l'a prédit. Vous devez vous rendre dans une forteresse que l'eau menace, sans pour autant la toucher. À l'intérieur, vous trouverez un mage elfique capable de rendre la plus éclatante des étoiles plus noire que la nuit. Tout cela est énigmatique, j'en suis consciente. Mais les signes d'Azura ne trompent jamais. Je pense que la forteresse est en fait fort divers. Demandez là-bas si l'on sait quelque chose sur ce mage elfique. Elle est la déesse de l'aube et du couchant. Azura voit dans le crépuscule du futur et offre les fruits de sa clairvoyance à ses adeptes. Il a été construit par mes semblables, les Dunmer. Nous avons fui Morrowind après l'éruption du Vardenfell il y a bientôt 200 ans. Ceux d'entre nous qui étaient fidèles à Azura ont reçu une vision qui les a amenés à quitter l'île avant la catastrophe. Cet hôtel est notre façon de l'honorer, de nous assurer que personne n'oublie qu'elle nous protège. Oui. Nous étions plus nombreux par le passé, mais les visions d'Azura ont éprouvé leur foi. Ils sont partis les uns après les autres, par peur de connaître leur futur. Mais je refuse d'abandonner cet hôtel. Les visions sont une bénédiction. Azura me met en garde contre les tragédies, la guerre et la mort avant qu'elles ne se produisent. Je ne pourrais me passer de sa clairvoyance. Tout cela a été prédit. Et nous devons jouer notre rôle. Par la barbe d'Ismir. On devrait déjà être riche, là. Thorgar avait affirmé qu'on nagerait dans l'or. Je commence à me dire que nous ne trouverons peut-être pas de fer ici. Nous en cherchons depuis si longtemps. Mais pourquoi fais-tu cela ? Pour rien au monde, je ne voudrais passer ma vie à travailler dans ces tunnels sans fin. Thorgar dit que nous trouverons bientôt des cailloux qui valent de l'or. Je suis le meilleur pour casser des rochers. C'est Thorgar qui le dit.
Qu'y a-t-il, Orc? J'ai des articles. Je ne prête. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de... que ce soit. Nous avons également des... ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle.
Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci? Tout le monde est obsédé par vous. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, tout est à vendre! Absolument tout! Regardez donc. Revenez donc. Les gens ont oublié l'humour. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Je ne prétends pas que vous voulez vous protéger ou faire des dégâts. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Thank you.
Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Vous en avez assez de la soupe au croton, du poisson et du poulet? Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. Je l'aurai peut-être en réserve. Je travaille pour Bellator, au magasin d'alimentation générale. Si vous vendez... Bon, un peu de tout. Revenez donc. Que les divins soient avec vous. D'accord. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? D'accord. D'accord. Autre chose? D'accord. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Autre chose ?